Amis des couteaux, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo importante. Une vidéo sur le couteau de mon pote, l'abeille métallique, Guillaume Henry, sur son scalpel. Enfin, monsieur s'est décidé à sortir son scalpel. Ah bah, c'est pas trop tôt. J'avais déjà en ma possession des scalpels, et je sais pas, tant qu'il l'avait pas sorti, ça me gênait de le lancer, quoi. C'était son petit bébé, quand même, quoi. Son précieux. Alors, vous pouvez aller voir la présentation de son couteau sur sa chaîne YouTube. Il fait une très bonne description de son couteau. Alors, un des points forts de ce couteau, c'est que c'est un crevard. Il s'accroche sur la cible comme un radin à son porte-monnaie. Le couteau peut arriver comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il plante aussi, hein, Le scalpel, c'est vraiment un super couteau. Néanmoins, il est possible que vous ayez besoin d'un temps d'adaptation afin de vous familiariser avec votre scalpel. C'est pour ça, je me propose de vous donner quelques conseils afin de débuter au mieux avec votre scalpel. Tout d'abord, accueillez-le chaleureusement. Coucou toi! Oh, mais t'es trop mignon! Bienvenue, mon petit scalpel! Oh, il a envie d'être lancé! Je pense aussi que c'est important de le présenter au reste de la famille. Coucou les enfants! Voici votre nouveau camarade, le scalpel. J'espère que vous l'accueillerez au mieux au sein de notre petite famille. Salut mon pote! Mais c'est quoi, c'est un cure-dent? Mais non, c'est un clou ce truc-là. Ne les écoute pas, t'es le bienvenu. Dégage, Minus. Ensuite, pour vous familiariser avec votre scalpel, commencez très proche de la cible. Ne le brusquez pas. Commencez doucement avec des gestes bien relâchés. Il y a un dicton dans le lancer que je viens d'inventer, qui dit « Si tu le plantes mal à 1 mètre de la cible, tu le planteras mal à 3 mètres de la cible. » Alors commence à 1 mètre de la cible. Quand tu es satisfait de tes couteaux, tu peux commencer à reculer. Et ainsi de suite. N'hésite pas à prendre ton temps et ne recule que quand tu es satisfait de tes couteaux, qu'ils arrivent bien à l'horizontale avec une bonne vitesse. Par contre, si tu es un lanceur un petit peu nerveux, je te conseille de reculer de la cible avec le scalpel. Ah, il a des rebonds redoutables. Bon, plus sérieusement, l'abeille, franchement, félicitations. Un super couteau, il est original, j'aime ses lignes, il est léger, bravo. Bravo. Tu sais quoi, mon pote? Putain, je vais te donner mon meilleur beam steel. Ouais. Allez, c'est parti, mec. On y va.
Si avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu, je peux rien faire pour vous. Ciao mon pote, bisous.